Hibou, quelles sont vos forces? Si je vous pose comme ça la question de but en blanc, il est très probable qu'on entende votre cerveau gémir au moins pendant quelques secondes. Alors que connaître ses points forts, ses habiletés naturelles ou construites, c'est super utile pour savoir où aller. Si vous êtes en pleine réflexion sur comment vivre de la photo par exemple ou planifier une transition professionnelle, c'est bien de pouvoir évaluer où vous en êtes. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous partager un outil que j'adore pour mettre en lumière vos grands talents. Je l'avais déjà partagé sur le Discord il y a quelques mois, mais il est temps de le révéler au grand jour. Il s'agit de High Five. High Five! Ce truc, c'est un questionnaire en ligne qui va vous poser les bonnes questions pour être en mesure ensuite de vous fournir la liste par ordre d'importance de vos 5 grandes forces parmi une liste de 20. Je prendrai un verre de Saint-Julien 2016, s'il vous plaît. Parmi elles, l'empathie, l'analyse, la curiosité, la résolution de problèmes, la génération de nouvelles idées, la concentration, la stratégie, l'optimisme, et j'en passe. Je vous ai mis la liste complète traduite en français par mes soins dans la description parce que oui, petit bémol pour les francophones, le test est en anglais. Mais bon, je suis sûre que vous pouvez vous en sortir. Ce que je vous encourage à faire, c'est d'aller faire le test et de revenir ensuite dans les commentaires pour partager vos résultats avec nous. Et si vous l'avez déjà fait sur le Discord, vous pouvez juste copier-coller vos résultats ici du coup. On verra si on aura de nouveau une tonne de fil mat d'empathizer ou même quelques pourquoi pas. Bref, voir noir sur blanc vos 5 forces, croyez-moi, ça va vous faire du bien. Et après, qui sait, vous pourrez peut-être vous en servir pour diriger vos plans d'avenir. Photographe de mariage, artiste photographe, ouverture d'une agence, d'un club ou que sais-je, vous serez fort de nouveaux indices pour vous décider. Allez, n'oubliez pas de vous abonner et moi je vous dis salut les boudins et à demain matin pour un nouveau Creatino. On parlera de comment bien choisir son premier fâche cobra et vous allez voir, ça va être super.